bienvenue dans votre hôtel de ville. Cher président, félicitations. En bon compagnon, vous respectez les traditions. En bon réguenais, vous respectez l'oreille. Il respecte l'oreille, respecte nos traditions depuis 25 ans. Il a d'abord commencé à vivre le carnaval à travers la société des paysans, puis des indépendants. Pour sa profession, il a franchi les remparts de la ville. Il a quitté Binge pour Leuze. Aujourd'hui, il est le roi de la pomme de terre et de la frite. Dans une célèbre marque du pays. 25 ans, paysan, indépendant, aujourd'hui Réguenais, j'appelle à la table des autorités communales Monsieur Hervé Duriot. Comme les choses sont bien faites chez les Réguenais, il y a une médaille de 25 ans, une médaille de 40 ans, une médaille de 50 ans. Et je suis certain que ce moment ne le laissera pas de marbre, lui qui connaît si bien les statues. Il a vraiment décoré, orné toutes les entrées de la ville. C'est également une famille binchoise. C'est une famille qui célèbre la tradition. C'est une famille qui a fait de la tradition un art également. Il est là. Son épouse est là. Sa famille est là. Son papa est là. Et lui aussi, il est là. Il fête ses 40 ans de participation. Mon ami, Christophe Bourbet. Carnaval ici à Binche, tout d'abord aux amis réunis, et depuis plus de 30 ans il est Réguenais. C'est son papa qui l'a amené dans la société, passionné de folklore, d'histoire antique, de modélisme. Il a même été à l'école avec monsieur Manu Bejerano. Emmanuel est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui et c'est lui qui va remettre cette médaille. Cette médaille de 50 ans. Pour votre ami, Jean-Pierre Cuvelier. Jean-Pierre, c'est une belle celle-là. C'est vrai que c'est une belle celle-là. Comme ce carnaval sera encore un grand cru. Je tiens à remercier toute la société des Réguenais. Je crois qu'avec la famille Bourbet, nous allons pouvoir orner la ville pour des années, des décennies, oserais-je dire des siècles. Avec la famille Kersten, on a de quoi être habillé pour des décennies et pour des siècles. Il ne vous reste plus qu'une chose. C'est d'avoir quelqu'un qui fabrique également des sabots. Mon petit doigt me dit que ça viendra aussi. Et qu'avec Lucie Brichot, on aura encore, dès l'année prochaine, des sabots. Vous pourrez comme cela marteler les pavés toute la journée comme il se doit. Alors, comme le dit le président, quelle société! Quelle ville! Mais quel carnaval! Oui, vive les Réguenais, vive le carnaval de Binche, tambour!